Très bien. Nous appelons donc Alexandre Roux qui va nous parler de la caractérisation clinico-radiologique, histomoléculaire et épigénétique des gliomes de haut grade des adolescents. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Tu peux y aller. Bonjour à tous, donc monsieur le Président, monsieur le secrétaire perpétuel, cher membre de l'Académie nationale de chirurgie, chers mes chers confrères, je me présente, Alexandre Roux, chef de clinique de neurochirurgie au GHU Paris Neuro-Saint-Anne de l'Université de Paris, et je vais donc vous présenter l'un de mes travaux de thèse de neurosciences réalisé sous la co-supervision du professeur Pascal Barlet, neuropathologiste ici à l'hôpital Saint-Anne, mais également du professeur Joël Palu, neurochirurgien à l'hôpital Saint-Anne, et ce travail donc concerne la caractérisation clinico-radio, histomoléculaire et épigénétique des gliomes dits de haut grade de l'enfant, de l'adolescent, excusez-moi, du jeune adulte. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation, mais cependant, je tiens à vous préciser que l'intégralité de ce travail de recherche a été financée par la Ligue contre le cancer dans le cadre d'un appel à projet. Comment nous est venue l'idée de caractériser finalement une tranche d'âge de patients porteurs, possiblement porteurs de gliomes malins, c'est-à-dire infiltrants de haut grade de malignité? Tout d'abord, finalement, un petit peu d'historique nous a amené à cela. Tout d'abord, avec la caractérisation des gliomes dits histones mutés, qui touchent préférentiellement les patients âgés de moins de 15 ans, c'est-à-dire véritablement une population pédiatrique pure, avec des gliomes très particuliers donc, qui ont été caractérisés à la fois sur le plan clinico-radiologique, mais également histomoléculaire, par deux équipes, l'équipe de Londres, l'équipe de l'Institut national de recherche contre le cancer de Londres, mais également l'équipe d'Edelberg, en particulier sur les technologies de méthylome. Ça fait maintenant 5 ans que nous connaissons bien ces gliomes, qui en fait ont une caractérisation moléculaire très particulière, c'est-à-dire qu'ils touchent préférentiellement la ligne médiane, à savoir le tronc cérébral et parfois le thalamus, beaucoup plus rarement. Par ailleurs, nous ne connaissons que trop bien en neurochirurgie oncologique adulte les gliomes dits ITH mutés, c'est-à-dire les astrocytomes infiltrants, mais également les oligodendrogliomes, qui sont à la fois ITH mutés, qui sont porteurs d'une codélétion, un P19Q. Nous connaissons malheureusement aussi que trop bien en neurochirurgie adulte les glioblastomes dits IDH non mutés ou wild type, qui concernent les patients âgés de plus de 55 ans dans la très grande majorité des cas, avec un pic de fréquence, un pic d'incidence aux alentours de 70 ans. Ce pourquoi nous avons essayé, mais parce qu'à ce jour, personne n'avait étudié finalement la caractérisation de ces tumeurs qui vont pouvoir apparaître entre l'âge de 15 à 25 ans, c'est-à-dire entre l'âge pédiatrique et l'âge adulte. Ce travail que nous avons réalisé a été publié en février 2020 dans le journal international Neuro-Oncologie, à comité de lecture, revue de rang A. Ce travail est en fait une étude de cohorte rétrospective, multicentrique, incluant la quasi-totalité des services de neurochirurgie de la région Île-de-France, et avec comme critère d'inclusion l'ensemble des patients opérés dans ces services de neurochirurgie pour un gliome malin, un gliome dit de haut grade de malignité, entre âgés de 15 à 25 ans et entre 1998 et 2013. Ainsi, nous avons pu inclure 112 patients dans cette étude. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'une maladie extrêmement rare, puisque en plus de 10 ans, seuls 112 patients ont pu être inclus. Après, nous avons réalisé une relecture centralisée neuropathologique par 3 neuropathologistes français, membres du réseau RénoClip, c'est-à-dire le réseau expert national français de relecture en neuropathologie. Donc, cette relecture a été réalisée de façon indépendante et en aveugle par 3 neuropathologistes, le professeur Vallée ici de Sainte-Anne, le professeur Figaret-Labranger du CHU de la Timone à Marseille et le docteur Karima Mokhtari de la Pitié-Salpêtrière. 23 patients, néanmoins, ont dû être exclus après cette relecture devant un nouveau diagnostic fait de tumeur bénigne ou alors de tumeur maligne, mais qui n'était pas des gliomes malins, comme des méduloblastomes ou des pinéaloblastomes. Nous avons également dû exclure 9 patients, faute de données cliniques et ou radiologiques suffisantes pour pouvoir réaliser la suite de l'analyse. Ainsi, dans ce travail, 80 patients ont pu être inclus, âgés de 15 à 25 ans et porteurs d'un gliome de haut grade. Nous avons ainsi caractérisé ensuite, selon la classification OMS 2016 des tumeurs du système nerveux central, ces tumeurs-là en sous-groupe, grâce à des techniques de routine, comme l'immunohistochimie ou le séquençage ciblé, mais également des techniques dites de nouvelle génération,
comme le NGS, le séquençage ciblé nouvelle génération, le whole exome sequencing ou encore la DNA methylation analysis, c'est-à-dire l'analyse du méthylome tumoral. Ceci grâce à un partenariat développé avec l'Université d'Heidelberg en Allemagne. Voici les principaux résultats que nous avons obtenir dans cette étude de caractérisation clinico-radio-histomoléculaire et épigénétique. Sur le plan, et c'est le principal résultat de cette étude, c'est finalement la carte de fréquence, la carte fréquentielle de représentation épidémiologique de ces tumeurs chez ces patients âgés de 15 à 25 ans. Et vous pouvez constater une chose, tout d'abord, ici sur ce diagramme en camembert, que 25% des gliomes de haut grade de l'adolescent et du jeune adulte sont des astrocytomes IDH mutés. Il existe une très faible représentation des oligodendrogliomes qui sont porteurs de la mutation IDH, mais également de la codélétion MP19Q. Ce qui est assez intéressant, c'est ce que je vais vous présenter ensuite, c'est finalement la représentation extrêmement différente avec les gliomes du jeune adulte âgé de plus de 25 ans. On peut également constater qu'il existe une surreprésentation des gliomes histones mutés, H3K27, ici représenté en vert, qui concerne de façon préférentielle, on le sait, les patients âgés de moins de 15 ans. À ceci près, vous pouvez le constater ici que, je vous l'avais dit en introduction, la principale topographie de ces tumeurs histone H3K27 mutées touche en fait le tronc cérébral et en particulier la région pontique. C'est pour ça qu'on les appelait, avant la caractérisation de l'OMS 2016, les gliomes infiltrants du tronc cérébral. En fait, chez l'adolescent, c'est très particulier, ces tumeurs vont finalement infiltrer de façon préférentielle le thalamus. C'est quelque chose d'assez rare et voire exceptionnel chez l'enfant âgé de moins de 15 ans. Enfin, chose, et c'est ce que nous avons décrit pour la première fois, la surreprésentation fréquentielle des gliomes H3G34R, qui sont des tumeurs parmi les sous-groupes histomoléculaires les plus rares que l'on peut retrouver dans les gliomes dits de haut grade de malignité. À la suite de ce travail de caractérisation, nous avons réalisé une revue de la littérature qui est intégrée à ce travail sur plus de 2000 patients d'âge pédiatrique, d'adolescents et de jeunes adultes, ou encore d'adultes âgés de plus de 25 ans. Et nous avons pu ainsi comparer notre représentation fréquentielle avec celle de la littérature actuelle. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est très parlant finalement quand on regarde les graphiques, vous pouvez le voir ici avec un âge chronologique qui avance, de l'âge pédiatrique jusqu'à l'âge adulte, de gauche à droite. Vous avez tout d'abord une surreprésentation des gliomes histones H3K27, on l'a dit, chez les patients pédiatriques. À l'adolescence, vous avez une diminution, une chute de la fréquence et voire une quasi-disparition avec plus que 1% des tumeurs chez les patients âgés de plus de 25 ans, en sachant qu'après 35 ans, ça devient que du cas vraiment très exceptionnel. Autre chose particulière, vous pouvez voir que par contre, à l'inverse, la mutation IDH, ici représentée en rouge, a une forte tendance à augmenter avec l'âge, alors qu'elle est exceptionnelle chez l'enfant âgé de moins de 15 ans, elle est peu fréquente chez l'enfant adolescent, voire extrêmement fréquente à l'âge adulte, avec, vous l'avez constaté, c'est ce que nous disions tout à l'heure en introduction, une forte représentation des oligodendrogliomes qui sont ici en rose, et ce qui est exceptionnel chez l'adolescent, même si nous avons quelques cas, nous, dans notre étude, est quasiment inexistant, car il y a quelques cas décrits chez les enfants âgés de moins de 15 ans. Enfin, vous pouvez constater la dernière chose, c'est sur ces gliomes H3G34R qui apparaissent finalement chez les enfants âgés de moins de 15 ans, mais finalement il n'y a aucun cas décrit dans la littérature avant l'âge de 10 ans, un seul cas à 10 ans, les autres cas entre 12 et 15 ans. Donc finalement ce sont déjà des, entre guillemets, des vieux enfants. Pour avoir un pic de fréquence au niveau des patients âgés de 15 à 25 ans et pour finalement disparaître complètement à l'âge adulte. Ainsi, il semblerait que cette mutation H3G34R soit spécifique de cette population adolescente et jeune adulte. Nous avons ainsi pu, selon le profil histomoléculaire de chacune de ces tumeurs malignes de haut grade, caractériser la courbe de répartition des âges, mais également les topographies préférentielles et ainsi que les analyses de survie, qu'elles soient globales ou sans progression. Et vous pouvez ainsi constater les topographies, comme je vous le disais par exemple, cérébrales de ces tumeurs, avec chez l'adolescent, une surreprésentation de la localisation thalamique ici pour les histones H3K27 et beaucoup moins fréquemment la localisation pontique, à l'inverse de chez l'enfant de moins de 15 ans. Une surreprésentation pour les gliomes H3G34 au niveau des régions postérieures, à savoir le pariétal et le lobe occipital, de façon anecdotique au niveau frontal et temporal. Alors que dans les gliomes IDH mutants, on le sait très bien, ce sont des tumeurs qui sont beaucoup plus antérieures, avec une surreprésentation au niveau du lobe frontal, du lobe temporal et du lobe insulaire.
Ainsi, en conclusion, ce travail a permis de caractériser pour la première fois les gliomes de haut grade de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, excusez-moi, avec cette fois-ci en insistant particulièrement sur les gliomes H3G34R mutés, qui représentent ainsi 14% des gliomes de haut grade de l'adolescent, qui n'ont pas dans notre expérience de présentation clinique ou radiologique spécifique, à l'exception près, qui touchent préférentiellement le lobe pariétal et le lobe occipital, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation très postérieure en comparaison avec les gliomes IDH, par exemple. Nous avons pu réaliser dans ce travail des analyses multivariées et nous avons pu mettre en évidence, et ce de façon indépendante, que l'exérèse neurochirurgicale, l'étendue de résection neurochirurgicale, apporte un bénéfice statistiquement significatif sur la survie à la fois globale et sans progression, alors que jusqu'à présent, pour les gliomes IDH mutés du jeune adulte de plus de 25 ans, on sait très bien, et la littérature est très claire à ce sujet, il y a direct une corrélation positive entre l'étendue de résection et la survie proposée aux patients. Chez l'enfant âgé de moins de 15 ans, la littérature est beaucoup moins favorable pour les mutations histone H3K27, où la tendance actuelle, en tout cas les recommandations actuelles, recommandent plutôt de réaliser un geste de biopsie, c'est-à-dire un geste à visée uniquement diagnostique et non pas oncologique, chez ces patients-là, et le seul traitement actuellement validé, la radiothérapie cérébrale. Ainsi, nous avons pu constater dans ce travail que pour les gliomes H3G34R, l'étendue de résection neurochirurgicale apporte un bénéfice, et ainsi ça nous permettra, je pense, dans un premier temps, le temps que nous puissions mieux comprendre cette nouvelle maladie, que le bénéfice neurochirurgical est significatif et qu'il faut donc envisager un geste de chirurgie plutôt qu'un geste de biopsie, en évitant, bien évidemment, en préservant la fonction neurologique et donc la qualité de vie de ces patients. Nous avons également pu mettre en évidence et développer avec un partenariat entre le GHU Paris Neuro-Sainte-Anne et l'Institut cancérologique de Nottingham un immunomarquage, c'est-à-dire une technique immunohistochimique, un anticorps qui va pouvoir détecter cette mutation H3G34R, mais qui ne détectera pas le variant H3G34V, mais qui est exceptionnel, mais que nous avons rencontré à deux reprises ici à Sainte-Anne, à partir d'expériences de l'hôpital Necker Enfants Malades, et qui permettra donc ainsi de permettre ce diagnostic au plus grand nombre des services de neuropathologie. Enfin, nous avons pu placer, si je puis dire, caractériser le profil de survie de ces tumeurs gliales de haut grade à cheval entre les mutations des histones H3K27 et les mutations IDH, avec une survie sans progression de 16 mois contre une survie globale de 36 mois en médiane. Ce travail fait un sens puisque avec nos travaux actuels et nos partenariats actuels, avec en particulier celui avec l'hôpital Necker Enfants Malades, nous avons dû mettre en place le professeur Puget et le professeur Pallu en 2019 une filière de transition enfant-adulte à partir du département La Suite, que vous connaissez peut-être, l'hôpital Necker, en neurochirurgie oncologique, qui permet ainsi à ces patients d'âge pédiatrique et porteurs de maladies pédiatriques d'être pris en charge sur le plan neurochirurgical et oncologique dans un milieu adulte une fois qu'ils ont passé, une fois passé l'âge de 18 ans. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Marc Zanello, a-t-il, compte tenu de sa spécialité, des questions ou des remarques à faire? Alors, les futurs ont peut-être laissé les questions de la salle parce que je connais bien le travail. Ce que je dirais, c'est que, et peut-être que ce n'était pas très très clair au début de la présentation, c'est que aussi un des gros intérêts d'étudier très finement cette population oncologique, c'est que donc c'est des pathologies très rares, mais malheureusement très agressives. On voit que la survie à 5 ans est très faible. Donc, c'est des patients en fait, qui vont globalement très souvent mourir de leur maladie. Et on voit, c'est assez intéressant, que quand on prend des registres oncologiques, par exemple, typiquement les plus fournis étant les nord-américains, on voit que les cancers cérébraux, dans la tranche, on va dire, entre 15 et 35 ans, sont effectivement des maladies très rares, mais très mortelles. Et donc, en termes de mortalité liée au cancer, elles sont généralement dans les premières positions. Donc, c'est aussi l'intérêt d'être allé chercher aussi loin d'un point de vue anatomopathologique. Après, je dirais que voilà, ça montre aussi l'intérêt d'arriver à travailler à la fois avec les collègues pédiatres pour arriver à avoir une transition fluide, et ça, c'est vraiment un travail passionnant, et bien évidemment avec les collègues anatomopathologistes pour qu'on arrive à trouver des solutions sur ces maladies très graves encore à l'heure actuelle. Moi, j'avais une question épidémiologique. Vous montrez clairement la répartition selon l'âge de l'apparition, par exemple, de la mutation H3K27M. Est-ce que donc il se passe d'autres choses dans un corps en croissance, en particulier des,
évolutions hormonales. Est-ce que vous avez envisagé de corréler ces constatations de type évolutive dans le temps avec d'autres évolutions de type hormonal dans le temps chez le jeune, je pense à la GH ou à d'autres hormones, en appliquant des choses un peu rustiques comme l'IA, par exemple. On regarde ce qui varie en même temps et vous voyez si c'est corrélé ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens ? Merci monsieur pour votre question. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de travaux. Je parle sur les biomes de haut grade, bien évidemment, parce qu'effectivement, comme vous dites, les travaux qui impliqueraient une imprégnation hormonale particulière ont déjà été faits pour des tumeurs cérébrales comme les méningiomes. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. Je sais que l'Académie nationale de chirurgie en a beaucoup parlé récemment. Pour ce qui est des biomes de haut grade, il y a eu des études de fait dans les années, fin des années 2000, début de l'année 2010. Sur effectivement l'hormone GH. Je sais qu'il y avait également des travaux sur la testostérone et sur la progestérone également qui ont été faits et qui n'ont pas montré de corrélation. En tout cas, les seules études à ma connaissance qui ont été faites, c'était sur le fait que est-ce qu'une surimprégnation hormonale pourrait augmenter l'agressivité et donc l'évolutivité de la maladie, l'agressivité de la maladie. Ça n'a pas été démontré de façon claire dans les études qui étaient des études précliniques, évidemment, mais ça n'a jamais été démontré à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de la genèse, et là, j'essaie de répondre plus précisément à votre question sur le profil de mutation. Est-ce que l'imprégnation hormonale, qui est fluctuante, évidemment, en fonction de l'âge du patient, va pouvoir influer la mutation, le profil histomoléculaire ? À ma connaissance, il n'y a aucun travail réalisé sur ce sujet. Et on a, en particulier chez les populations pédiatriques et adolescentes où je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu à ce sujet. En population adulte, je ne me permettrai pas de faire de conclusion parce que je n'ai pas été exhaustif, ou en tout cas très large sur ma revue littérature et ma connaissance sur ces sujets-là. En population pédiatrique et adolescente, non. Les principaux travaux qui ont été faits sont sur les cellules souches gliales, embryonnaires, qui vont tapisser la surface des ventricules cérébraux, ventricules latérales en particulier, et ces tumeurs cérébrales sembleraient naître de ces ventricules. En fait, aurait une origine embryologique différente et donc conduirait à des profils moléculaires différents. Et c'est pour ça, et je pense que c'est comme ça peut-être que vous avez vu cette question, c'est en fonction de la topographie. Hein, on voit que les histones H3K27 touchent plutôt la ligne médiale, on voit que les H3G34R touchent plutôt les parties postérieures du cerveau, par le lobe pariétal, le lobe occipital, puis les gliomes IDH touchent plutôt le lobe frontal et le lobe temporal. Et on voit bien que, et ça colle très bien avec des travaux, c'est pour ça que je pense que les gens recherchent beaucoup là-dessus, c'est que finalement, l'origine des cellules souches gliales embryonnaires qui tapissent la surface ventriculaire ont une origine différente selon leur topographie. C'est-à-dire que la corne frontale n'ont pas la même origine embryologique qu'au niveau des cornes occipitales et au niveau de l'atrium, c'est-à-dire de la partie pariétale, mais également au niveau du quatrième ventricule, où on aura donc plutôt des profils histones. Et donc, et ça c'est passionnant, parce que de se dire qu'effectivement, cette représentation-là a une origine effectivement embryonnaire, et peut-être que la cible thérapeutique sera à ce niveau-là. Merci beaucoup. Vous êtes intarissable sur toutes les hypothèses. C'est fantastique. Merci.